Hey, 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 salut tout le monde et bienvenue sur ce nouveau Crée-moi un Sim, Crée-moi un YouTuber. Alors aujourd'hui, je me suis attaquée à la très grande, si j'ose dire, des vovos adorés, adulés sur l'internet, surtout au niveau des Sims. Alors, pour les férus de des vovos, tout ça, je m'excuse d'avance parce que je ne pense pas qu'elle est très ressemblante. Du moins, j'ai essayé de faire le mieux que je pouvais. C'était un peu compliqué. J'avais des photos sous les yeux, mais je suis pas sûre. Je pense qu'il y a un air, ça c'est sûr, hein. J'ai essayé de vraiment faire le mieux possible. Voilà, comme son nez, qui normalement est assez long. Mais j'ai eu un peu de mal. Bon, enfin voilà. Moi je pense qu'il y a un air, qu'elle se ressemble quand même un peu. Bon, j'ai galéré aussi avec les sourcils, hein. Je sais pas ce que j'ai eu ce jour-là. Et en tout cas, je pense qu'il y a un air, je pense que c'est quand même ressemblant. Donc, au pire, vous pourrez la télécharger sur ma galerie, sur Origin. Ou alors, bah, si vous, ça ne vous plaît pas, vous ne la prenez pas. Mais je suis encore avec mes sourcils parce que c'était pas. Elle n'a pas des très grands sourcils, enfin, du moins très fournis. Donc, du coup, j'ai un peu. Ça n'allait pas visuellement, ça ne collait pas avec. Avec ce rendu. Donc les cheveux, bon, alors je sais, elle a fait les cheveux bleus, les cheveux roses, tout ça, mais voilà, je pense que la meilleure coupe qu'il pouvait lui aller, c'est celle-ci. On n'a pas de piercing dans les Sims, donc je lui ai mis une petite boucle d'oreille comme ça. Pareil, j'ai pas voulu lui mettre des CC, même si elle a des cils, même je pense des faux cils. Je ne les ai pas mis pour pas que. Voilà, pour, bah, juste pour pas avoir de CC dans la téléchargement de cette Sim. Niveau du look. Ben, pareil, je suis pas très très. Enfin, je la connais pas énormément, hein, donc je peux pas dire comment elle s'habille. J'en ai pas trop d'idées, donc j'ai. Voilà, je me suis dit, tiens, ça c'est pas mal. Bon, voilà, ouais, sympa avec un jean. Niveau chaussures, j'en ai aucune idée aussi. Donc j'ai fini par trancher par les petites chaussures à talons. Le maquillage, ça je sais qu'elle se maquille. Ça, j'ai déjà vu des photos, hein, c'est un peu chargé quelquefois. Voilà. Donc je vais rajouter, c'est vrai, des tatouages parce qu'elle en a quelques-uns, bien sûr. Bah oui, on n'a jamais ceux qu'on voudrait avoir. En tout cas, j'en ai mis des deux côtés des bras. Donc après, vous ferez ce que vous avez envie de faire. Là, vous voyez, j'ai quand même envie de retoucher encore parce que je me dis c'est pas encore flagrant. C'est pas aussi bien que moi. J'aurais pensé réussir. Donc finalement, la forme des yeux, je garde celle qu'il y avait à la base parce que voilà, je trouvais que c'était ce qu'il y avait de mieux. Est-ce que je lui rajoute un petit accessoire? Oui, mais voilà, pareil, je suis pas une pro, je connais pas. Bon, alors voilà, le look de soirée cérémonie, c'est absolument moche. Alors j'ai un peu cherché tout ça, j'étais pas sûre de trouver ce qui allait lui aller. Ah si, à part le fait que voilà, elle aime bien le cosplay, j'ai cru voir des robes de princesse ou je sais pas quoi. Donc voilà, je me suis dit, tiens, ça fait un peu Cendrillon, j'ai cru voir une photo de Cendrillon, donc je me suis dit, bon. Ça fera l'affaire. Je l'ai un peu, voilà, avec les access. Au niveau du sport, j'ai harmonisé un truc un peu plus fin, girly, voilà, bon. Je lui ai attaché les cheveux, sans lui raser la tête, évidemment. Voilà, pour faire du sport. Pour dormir, bon, ben, pas non plus. Je lui ai mis, je crois, une petite nuisette toute basique, voilà. La tenue de fête, ça allait pas du tout, du tout, du tout, du tout. Et donc je me suis dit un petit peu de féminité ça ferait pas de mal. Donc j'ai cherché, normalement je lui mets ça. Ah c'est ça. Non, je crois que j'ai mis une robe noire en fait. C'est possible, je sais plus ce que j'ai mis. Hein. Voilà, bah si j'ai mis ça, c'est pas mal. Je trouve que ça lui allait bien. En tout cas la cime, peut-être pas à des vovos, mais au moins à la cime. Un petit peu de maquillage, encore un accessoire. Voilà. Et je pense que c'est pas mal. Une petite boucle d'oreille, oui, parce qu'il y a un côté qui est visible, donc même si c'est asymétrique. Et je lui ai choisi un maillot de bain, et je crois avoir vu un maillot de bain noir dans quelques photos dans mes recherches. Donc comme il n'y a rien d'extraordinaire. Et ensuite, j'ai passé. Ah, j'ai essayé de remodifier encore un peu, mais finalement, je suis passée sur la. Sur l'aspiration, donc pareil, je suis pas sûre. Je sais qu'elle dessine, donc j'ai mis la peintrice d'art. Elle est ambitieuse parce qu'elle est passée très rapidement aux 200 000. Le dernier, bon, j'ai dû aller bienveillante parce que je pense pas que ce soit une mauvaise personne. Pour l'aspiration, j'ai mis amis tous. Et puis voilà, maintenant, c'est à vous de jouer avec des bobos si ça vous plaît. Salut!